Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pendant tout le mois de décembre, vous allez me voir avec mon joli petit bonnet pour Noël, puisque ça y est, on rentre dans la période de l'Avent. Et donc, j'ai dit cette année, tiens, allez, toutes les vidéos que je vais faire tout au long du mois de décembre, je mettrai mon super abonné de Noël. Je vous reviens pour... le ridicule ne tue pas, hein, on est d'accord. Je vous reviens pour une vidéo fripe de la friperie Fripe Alex. Brièvement, vous n'aurez plus de la Croix-Rouge pour l'instant parce que c'est fermé. Alors, je ne sais pas si c'est fermé définitivement, s'ils recherchent des bénévoles ou quoi que ce soit. Mais en ce moment, ce n'est jamais ouvert à mon grand désespoir. Hein. Donc vous n'aurez que voilà, là c'est des achats que j'ai fait au mois de novembre. J'ai pas trouvé énormément de choses contrairement à d'autres fois, mais bon, c'est que sur un mois et c'est vrai qu'en ce moment j'y vais un petit peu moins puisque ben, les sous doivent aller dans autre chose, les cadeaux et tout ça. Donc bref, du coup j'ai trouvé quelques petites choses que je vais vous montrer de suite. On va commencer par les vêtements pour Emma. Je lui ai trouvé deux choses. Tout d'abord, donc les vêtements pour enfants là-bas, je rappelle, sont à 1 €. Bon, elle n'est pas repassée, mais j'ai trouvé une petite chemise comme ça, dans les teintes saumonées. Voilà, avec, elle fait style un petit peu carreau, avec des liserés argentés. Voilà, avec des petites poches qui sont vraies là. Ce que j'ai bien aimé, ce sont les petits boutons. Voilà. Elle est super, super jolie et voilà, on aime bien quand elle est en chemise. Et alors ensuite, par contre, je ne vous ai pas dit la marque. C'est Kiabi. Et alors ensuite, ça, mon Dieu, quand je l'ai vu, je dis, bon, il faut que je le lui prenne. Il est en 6 ans, mais voilà, c'est extensible et elle met encore du 6 ans en haut. Pour cet hiver, un pull moumoute, tout doux. Vous voyez, alors de la marque Disney, alors je ne vois pas vraiment le dessin proprement dit de Disney. Je sais pas si vous le verrez, dites moi en commentaire hein, si vous le voyez, mais moi perso je ne le vois pas. Alors est-ce que c'était pour rappeler la Reine des Neiges, je ne sais pas. En tout cas, donc manche longue, il est tout chaud, voilà, col en rond. Et elle était trop contente quand elle l'a vu, bien évidemment elle aurait voulu le mettre dans l'instant. On va passer donc à mes affaires. Alors, désolée, mais là non plus, ce n'est pas repassé. C'est de la marque Antonelle. Alors, il marque taille 4-44. Ouais, il est un petit peu large, mais enfin, moi, je dirais plus peut-être du 42, je ne sais pas. Donc, voilà, vous voyez, il est vraiment froissé. c'est un petit peu effet satiné. Mais voilà, au séchage... Vous voyez, il a été mis comme ça et du coup, oui, parce que mon homme m'aide. Hein, il ne faut pas croire, hein, les hommes maintenant, c'est, enfin, du moins le mien, m'aide autant dans les tâches ménagères que moi, quoi. Donc, je veux dire, c'est très bien. Et donc, c'est lui qui l'a étendu. Donc, je vous ai dit de la marque Antonelle, il est dans les teintes bleu-gris un peu, il est super joli. De toute façon, je vous ferai les try-ons. Voilà. Et donc, il y a des boutons là, mais qui sont cachés. Voilà, vous voyez juste le petit bouton qui est en haut. J'ai trouvé vraiment super sympa et très fluide. Bon, là, vu qu'il fait froid, à mettre avec un sous-pull en dessous. Ensuite, de la marque H&M en taille 38. J'ai trouvé cette... ouais, ça fait un peu effet chemise, sauf que vous voyez, ça ne se boutonne pas jusqu'en bas. Voilà, ça fait un col un petit peu en V. Manche longue, donc blanc et noir à carreaux.
Voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est les petits froufrous que vous avez sur les manches. Voilà. J'ai trouvé vraiment super sympa. Ensuite, un que j'ai adoré. Il est de la marque Redoute Essentielle. Il est en taille... Alors, il est un petit peu grand, il me semble. Ouais, c'est ça. Il est en taille 46. Mais je l'ai tellement apprécié que j'ai dit, voilà, pas grave. Qu'il soit un petit peu grand et tout, ça fera un petit peu effet loose. Donc, vous voyez, c'est effet cache-cœur, comme ça. Il est bleu marine, manche longue, assez léger là aussi. De toute façon, vu comment il est chancré, à mettre avec quelque chose en dessous, hein, c'est obligé. Bref, voilà. Donc, trop joli. Après, il est tout simple derrière. Dans le même esprit de la marque U-Collection, celui-ci, la taille, je ne l'aurai pas, je pense, parce que ça a été coupé. Yes, ah si, on dirait que c'est un 44. Mais là aussi, je l'ai trouvé tellement joli que voilà. Donc effet cache-cœur, vous voyez, comme ça. Là. Lui, par contre, il est beaucoup plus travaillé. Il y a des petites fleurs dessus, genre de petites pâquerettes. Il est en bleu. Et après, vous avez du bleu plus clair, du jaune, des pointes de rouge rosé. Voilà, et de blanc. Je l'ai trouvé super joli. Ce que j'ai bien aimé, c'est les liserés là, de chaque côté, avec des fleurs différentes d'une autre teinte. Voilà, voilà. Ensuite, de la marque Miss by Captain Tortue. En taille 40, je me suis trouvé ce joli haut. Alors oui, je sais qu'ils sont pas forcément de saison. Mais après, on peut toujours mettre, voilà, comme je dis, un sous-pull en dessous. Moi, souvent, c'est ce que je fais quand je veux mettre des blouses un petit peu légères et tout. Donc, il est dans les teintes bleu marine là aussi, avec des pointes de camel. Voilà, ce sont des feuilles. Ce que j'ai bien aimé, là aussi, c'est les petits froufrous le long du décolleté qui est en V. Et après, il peut se resserrer un petit peu en bas. Il a un petit nœud comme ceci. Et derrière, il est tout simple. Alors, un que j'ai kiffé. Il est de la marque Zara Basic. Il est en taille L. C'est celui-ci. Alors, j'en avais quasiment... Même, je pense que je n'en avais pas dans cette teinte-là. C'est vraiment vert bouteille, vous voyez. Vert sapin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, il y a le chien Noël. Là, je vous tourne juste là. Il y a le sapin. De toute façon, vous aurez une vidéo de ma déco comme chaque année de Noël avec l'esprit de Noël et tout ça. Des photos de quand Emma met l'étoile avec papa, puisque ça, c'est le rituel. Bref, revenons à nos boutons. À nos moutons, pas boutons. Non. Donc, un très joli haul. J'ai bien aimé l'effet un petit peu drapé comme ça sur le côté. Vous voyez, il y a une fente et tout. Il est vraiment magnifique. C'est refermé comme, vous voyez, les manches, on dirait comme une chemise. Je l'ai vraiment trouvé super beau. Ensuite, ben là aussi, c'est encore du Zara. Un que j'ai adoré en taille L. Ce joli haut. Voilà, avec de la broderie et tout ça, blanche. Sur fond gris, c'est à carreaux. Il est vraiment super beau. Ce que j'ai bien aimé, c'est les manches, vous voyez, un petit peu retroussées comme ça, là. J'ai trouvé vraiment magnifique. Derrière, il est tout simple avec un genre de petites gouttes. Mais voilà, vraiment, je l'ai adoré quand je l'ai vu. J'ai dit, pourvu que j'y rentre. Et alors, pour finir, de la marque Naf Naf en taille M. Alors, celui-ci, il est à manches courtes, mais c'est un genre de pull. Il est assez épais, il est en laine. Effet laine, quoi. Il est en quoi? Il est en quoi? Il est en quoi? Non, viscose et coton, polyamide, angora, laine, fil métal. Et oui, parce qu'en fait, il est. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, si. Il est un petit peu pailleté. Donc, il est dans les teintes prunes. Je l'ai trouvé super joli. Une petite poche, vous le voyez plus foncé,
Voilà, là, c'est vraiment la couleur. Je l'ai trouvé super sympa. J'ai dit justement là avec un petit sous-pull. J'aime beaucoup un gilet par-dessus. Je l'ai trouvé vraiment très très joli. Mais écoutez, ce haul friperie Fripalex est terminé. Je rappelle que les hauts là-bas, que ce soit manche courte ou manche longue, sont à 3 €. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En principe, le réapprovisionnement et le mercredi. Donc si vraiment vous voulez avoir les dernières nouveautés, il vaut mieux y aller le mercredi après-midi. Pour ceux qui me le demandent assez régulièrement, cette fripe ouvre donc du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Il me semble bien que c'est ça. Donc n'hésitez pas, vous avez de tout, de la vaisselle pour hommes, pour femmes, pour grande taille, pour enfants. Vous avez même des décos de Noël, vous avez gants, chapeaux, enfin, accessoires, bijoux, vous avez un peu de tout, des chaussures. Donc n'hésitez pas à y aller. Sur ce, bah, écoutez, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Et activez bien évidemment la petite cloche pour avoir toutes les notifications de YouTube quand je mets une nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Merci, nous sommes à 2400 abonnés. Très certainement, quand j'atteindrai les 2500, je ferai un petit concours sur ma chaîne, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait de concours. Donc, je ferai un petit concours aux 2500 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, écoutez, passez une bonne journée, bonne matinée, bonne après-midi, bonne journée, bonne nuit, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !